Je voudrais avant tout propos exprimer ma gratitude à toutes les personnes ici présentes, fidèles à Bekaye Diop et qui œuvrent pour la victoire de la coalition Nailer, dirigée par le futur maire de Kola, Elhadj Mamboué Diaw. Je voudrais aussi remercier la presse. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour dans cette salle des grands événements politiques de la région de Kola pour un point de presse relatif à la position du mouvement de soutien au président de la République, Macky Sall, dirigé par le ministre d'État, Bekaye Diop. Ce mouvement a pris une position ferme. Sa position est de soutenir la candidature de Elhadj Mamboué Diaw aux élections locales prochaines à venir. Ceci est motivé par plusieurs raisons. Mais je vais seulement vous dire, d'abord avant tout, que nous remercions le président de la République, M. Macky Sall, qui a pris le soin d'autoriser la candidature de Mamboué Diaw. Si à Kola, le parti au pouvoir n'avait pas la candidature de Mamboué Diaw, la commune de Kola risquerait fort de tomber dans les mains de l'opposition. Et c'est pourquoi nous le remercions fermement. Nous soutenons le président. Depuis que nous avons entamé ce soutien, cette collaboration, cette alliance avec le président de la République, nous avons eu à gagner toutes les élections qui ont eu lieu ici à Kola. Et si le président de la République nous proposait Yahya Diame comme candidat, on allait le soutenir. Parce que nous, quand on vous soutient sans calcul. Mais heureusement pour ces locales, le président de la République nous a permis de soutenir un candidat que nous-mêmes, nous avons voulu soutenir il y a très longtemps. Et ce candidat se trouve être qui? Ce candidat se trouve être Elhadj Mamboué Diaw. Donc, il était grand temps que tout le Kola cherche que le ministre d'État, Bekaye Diop, son mouvement, dont je porte la parole aujourd'hui, soutient la candidature de Elhadj Mamboué Diaw. Et désormais, nous allons descendre sur le terrain. Nous allons l'accompagner jusqu'au 23 juin, le jour où Mamboué Diaw, jusqu'au 23 janvier, le jour où Mamboué Diaw gagnera ses élections. Et c'est évident. C'est évident que Mamboué Diaw gagnera ses élections, s'il plaît, au bon Dieu. Dans le département, nous soutenons la candidature de Moussa Baldé.